bienvenue dans cette première édition du LEN YouTube Awards. Dans cette émission, ça va être vous, les chefs. Nous vous avons posé sur Instagram quelques questions concernant ma chaîne YouTube et vous avez répondu à ces questions. Nous allons aujourd'hui voir les résultats. C'est parti. Avant de commencer, nous allons voir une compilation de merveilleux moments que nous avons passés ensemble à travers les vidéos YouTube. Bonne année. Bonjour à tous. Alors, j'ai eu la chance de rencontrer le youtubeur ayant le plus d'abonnés sur YouTube en France. Pendant que vous serez comme des cons à Arcachon. Pendant que vous serez comme des incapables à la piscine municipale. Donc avec Mathéo, que vous connaissez à connaître maintenant, mon frère et sa sœur, on est sortis. Wow, c'est un miracle, on est sortis. Donc on est sortis dans notre ville et on a réalisé le Fill the Bottle. En gros, le but, c'est de prendre une bouteille, de la remplir de mégots, enfin des mégots que vous trouvez par terre, sinon c'est complètement débile. Si t'as cliqué sur cette vidéo, c'est sûrement que t'aimerais bien connaître mon âge. Je suis né le 4 mars 2005. Ok, je sors des cours et j'aimerais vraiment beaucoup savoir comment s'est passé le raid à la zone 50. Waouh, tant d'émotions à travers cette petite compilation. Réagissez avec le hashtag waouh tant d'émotions dans les commentaires. Nous allons continuer cette émission, mais avant ça, ne partez pas, nous allons vous mettre une très courte page de pub. Vous voulez acheter une marque où les produits sont très peu chers et d'une très bonne qualité? Eh ben, je vous conseille Clovis et en particulier la collection Clovis X-Len. C'est ma collection. Nous sommes de retour à l'appart pour continuer cette merveilleuse émission et nous allons maintenant passer au premier vote. Ce premier vote ne concerne pas tout à fait YouTube, mais plutôt Insta. Nous vous avons demandé quelle est la vidéo que vous avez préférée sur mon Instagram cette année. Je le rappelle, vous avez voté sur Instagram, c'est vous qui avez élu la vidéo. Monsieur Timothée va m'apporter les résultats. Merci. J'ai les résultats entre mes mains dans cette enveloppe. Je vais l'ouvrir et je vais vous donner la fameuse vidéo préférée de l'année sur mon Instagram. Ok. La vidéo que vous avez préférée cette année sur mon Instagram est la vidéo avec Claude Génie, la vidéo du sourire. Un petit extrait dès maintenant de cette vidéo. Bonjour. Bonjour. Je suis Claude Génie. Moi c'est Lénie, enchantée. Et aujourd'hui je vais vous apprendre à sourire. Sérieux, depuis le temps que j'attends d'apprendre à sourire? Est-ce que vous avez toujours rêvé d'être plus sympathique? Mais comment t'as deviné? Mais c'est mon rêve numéro 1. My first dream. Être plus regardé. Ah ouais, j'aimerais trop avoir un peu plus de vues là sur YouTube parce que là en ce moment c'est la reste. Je ne sais pas. Bah si tu sais. Il suffit de sourire. Vous allez voir que si vous souriez, toutes les portes vont s'ouvrir. Ah ouais? Quand il s'agit de sourire, c'est pas des faux sourires. Du type... Où les yeux ne sourient pas et la bouche sourit. C'est un peu difficile pour moi de le faire, mais... On me ment depuis tant d'années. Les yeux peuvent sourire. Claude Génie, qui est dans la vidéo, n'a pas pu être là aujourd'hui, mais elle a quand même voulu vous laisser un petit message en vidéo. C'est parti. Merci, merci à tous. Je suis vraiment contente d'avoir été sélectionnée. Merci beaucoup. Désolée, je n'ai pas pu être là aujourd'hui avec vous, mais voilà, je remercie mon père, ma mère et toutes les personnes. Et je vous remercie, vous, de m'avoir élue. Merci. Merci beaucoup et bravo à vous et à Claude Génie. Nous allons maintenant passer au deuxième vote. Mais avant ça, j'aimerais vous faire part d'une très grande information. Si jamais vous souhaitez me soutenir, vous pouvez aller sur mon Utip qui est en description ou utiliser mon code créateur SuperLen, il s'affiche en bas de votre écran. Nous allons maintenant enfin savoir quel est le truc culte sur ma chaîne YouTube. Certaines questions étaient très floues pour vous ou les gens n'étaient pas forcément très d'accord. Par exemple, cette question. Donc je le répète, la question était pour vous, quel est le truc culte de ma chaîne YouTube cette année. Les gens ne savaient pas trop et personne n'a répondu la même chose. J'entends que la question était très floue, mais du coup, je vais devoir compter sur moi pour élire la chose
culte de cette année sur ma chaîne YouTube. Pour cette question, du coup, on n'aura pas besoin d'enveloppe, vu que c'est moi et moi seul qui va donner la réponse à cette question. Pour moi, je le répète encore, pour moi, si jamais vous avez un autre avis, vous pouvez le dire dans les commentaires de cette vidéo avec le hashtag j'ai un autre avis. Pour moi, le truc culte de cette année, je dis bien de cette année sur ma chaîne YouTube, c'est ça. Je le rappelle, hein, l'histoire de cette chose culte sur ma chaîne YouTube, c'est tout simplement qu'en début de l'année dernière, j'avais dit que dans toutes mes vidéos de 2019, je ferais ce signe. J'ai tenu ma promesse. Bon, il y a peut-être quelques vidéos où je ne l'ai pas fait, je m'en excuse. Mais je l'ai fait dans 99% des vidéos. Et c'est pour cela que pour moi, c'est la chose culte de cette année sur ma chaîne YouTube. Vous avez été quelques-uns à répondre que la chose culte de ma chaîne YouTube, c'était moi. Ça m'a fait rire. Je sais pas si je dois prendre ça pour un compliment, peut-être. Du coup, merci beaucoup si c'est un compliment. Alors, pour cette question, ça a été hyper compliqué pour vous de choisir. La question était, pour vous, quel est le meilleur invité sur ma chaîne YouTube cette année? La plupart de vos votes ont été pour Sarah et Mathéo. Maintenant, à cette heure, moi je ne sais pas si c'est Mathéo ou si c'est Sarah qui a gagné. C'est pour ça que Timothée va me rapporter l'enveloppe. Merci Timothée. Alors, les résultats se trouvent dans cette enveloppe. Je n'ai pas encore regardé. Le suspense est à son comble. Attention. L'invité que vous avez préféré cette année sur ma chaîne YouTube est... Les résultats sont très très proches. Ça se trouve, les votes vont encore changer. Mais à l'heure où je tourne cette vidéo, c'est Mathéo qui a gagné. Oh, et nous allons maintenant passer au prochain vote. Cette question est la phrase culte pour vous cette année sur ma chaîne YouTube. Timothée va encore me ramener l'enveloppe. Merci beaucoup. Je répète, la phrase culte de ma chaîne YouTube cette année, c'est bien évidemment ma phrase d'intro. Bon, il n'y a pas une phrase en particulier parce que malheureusement, j'ai pas vraiment d'intro. J'en ai eu plusieurs. Bonsoir, bonjour, coucou tout le monde. Wesh wesh les cannes à pêche, etc. Mais du coup, pour résoudre ce problème, je vous propose de me proposer une phrase d'intro dans les commentaires. Nous allons continuer les votes, mais avant ça, j'aimerais beaucoup vous faire gagner ce paquet de mouchoirs à moitié plein. Vous avez juste à taper 4 dans les commentaires et je tirerai quelqu'un de vous au hasard. Merci beaucoup et à tout de suite. Vous voulez me voir passer de l'horizontale au vertical, venez me suivre sur Instagram, c'est superlaine-du-bas. Voilà, nous sommes de retour à l'appart pour continuer cette merveilleuse émission tous ensemble. Et en plus, nous allons passer au dernier vote, peut-être même le plus important. Quelle est la vidéo que vous avez préférée sur ma chaîne YouTube cette année? J'ai vu quelques réponses et j'ai vu que les avis étaient plutôt partagés et qu'il n'y avait pas beaucoup de personnes qui avaient le même avis. Un peu toutes les vidéos sont sorties. D'ailleurs, beaucoup ont répondu toutes les vidéos. Timothée va me donner l'enveloppe des réponses. Merci beaucoup. Et le résultat pour votre vidéo préférée de ma chaîne YouTube cette année est... Toutes les vidéos! Bah merci beaucoup, c'était... Attendez, j'ai un petit truc à vous remettre. C'est pour vous. Merci beaucoup. Bravo. Bravo. Bah merci. Merci beaucoup à tous les téléspectateurs. Ça me fait chaud au cœur. On se retrouve l'année prochaine pour la prochaine édition. Merci beaucoup et à bientôt.